Transmission, ça s'est bien terminé, je vais commencer comme ça, mais ça a été quand même relativement compliqué. Hein. On y avait pensé avec mon épouse, quand on s'est dit nous à 60, 61 on arrête, donc il fallait qu'elle travaille jusqu'à 61 et 2 mois pour pouvoir prétendre à sa retraite. Et nous on a décidé de mettre ça dans les mains de la chambre d'agriculture pour se faire accompagner. Donc là, on est allé voir la Chambre d'agriculture en février 2013, qui nous a très bien accompagnés, et la session s'est faite en décembre 2014. Non, c'est surtout l'aspect, tout ce qui est juridique. Hein. Nous, on n'y connaît rien dans tout ça. On a géré notre exploitation, pas trop mal, je pense, mais tous les aspects juridiques dans ce... C'est pas le tout, hein. Céder, faut pas que l'année d'après le gars se retourne contre vous en disant attendez, j'ai payé ça trop cher, ceci, cela. Non, non, tout ça, faut que ça soit bien calé. Hein. Ça fait 2 ans maintenant, on est toujours en bon terme avec notre successeur, c'est que tout va bien, quoi, je dirais. Hein. Nous, on était sur un secteur où c'était pas remembré. Ça a été une grosse épine, hein, je dirais déjà. Hein, 87 hectares, un parcellaire de 33 îlots. Des propriétaires qui avaient des enfants agriculteurs, donc qui souhaitaient que leurs enfants reprennent, et ce à quoi on n'a pas pu s'opposer. Donc Julien, en fait, notre successeur, a pu reprendre seulement 60 hectares sur notre exploitation. Hein. Alors bien sûr, la cession, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, hein, je dirais. Faut quand même, c'est le résultat d'une vie de travail. Hein. Il faut quand même, les retraites agricoles ne sont pas épaisses, hein, faut le souligner en passant. Donc, faut pas louper sa session, je dirais. Hein. Moi, je pense qu'on va parler de l'audit qu'on a eu avec la Chambre d'agriculture, hein, qui nous a permis, je dirais, d'avoir une offre très claire. Les candidats ont pu tout de suite cerner l'offre, hein, aller voir leur banque, faire les démarches nécessaires pour pouvoir intervenir et prétendre à la reprise de cette exploitation. Notre lieu de vie aujourd'hui, moi je vais dire que c'est le paradis tout simplement. Voilà, bon, ça résume. On a eu le coup de cœur, on est venu visiter cette maison simplement au mois de décembre 2014. Quand on avait 2014, vraiment signé. Quand on a été sûr. Ouais, hein, parce qu'on ne voulait pas s'engager. De la cession, voilà. C'est surtout on voulait pas s'engager à chercher quelque chose avant. De peur d'avoir un coup de cœur justement et puis de ne pas avoir les moyens financiers d'y aller, quoi, je dirais. Donc, quand la cession a vraiment été sur le point d'aboutir, là, on a commencé à chercher. Coup de cœur pour madame, la maison, et puis moi, l'environnement me convenait parfaitement.